Avril 2008, nous voilà en Corse, très exactement sur la plage de Tiouch, à quelques kilomètres d'Ajaccio, pour un événement original. La carte au trésor n'est pas une course ni une compétition, mais tout simplement une idée géniale qui reprend l'idée des courses d'orientation, mais cette fois en mer. Près d'une quarantaine de personnes inscrites pour cette première, venues de Corse mais aussi du continent, jet-skieurs passionnés ou pilotes d'un jour. Les machines sont toutes de série. Il s'agit dans la plupart des cas de modèles 4 temps 3 places, plus confortables pour naviguer en mer. À la météo de la partie, l'ambiance excellente, à quelques minutes du briefing exécuté par Gérald Ecardi, organisateur de la carte au trésor et passionné de jet. La carte au trésor se déroule sur une petite journée, avec une pause déjeuner sur une plage et bien entendu toute une série d'énigmes et de points de contrôle, un peu comme en rallye raid. Vous devez la noter sur votre carte, vous avez un marqueur indélébile qui a été mis dans la pochette. Sur la balise, c'est des bouées de cormorant blanches, qui sont assez volumineuses. Vous avez votre numéro de jet avec une case. Vous avez une demi-heure pour manger, dans les 3h30. Ben nous, on a prévu une demi-heure. Si vous voulez manger pendant une heure, vous voyez. Ne speedez pas. La carte au trésor est une première en France. L'idée est venue des frères Ecardi, responsables d'Espace Jet et concessionnaire Yamaha à Ajaccio. Alors en septembre 2007, avec un client du magasin, on a eu l'idée de faire une manifestation où on essaierait de réunir un maximum de passionnés avec un thème, un but pour la journée. Et donc, assez naturellement, il nous est venu l'idée de la carte au trésor. Donc au départ, on n'avait pas trop d'idées précises. Et à partir de fin octobre, début octobre, on a commencé à se voir en interne à Ajaccio et de faire des réunions pour essayer de voir le but exact de la carte au trésor. On ne voulait absolument pas faire une course parce qu'on n'en a pas la capacité et puis ce n'est pas le but. Donc le règlement exact, c'est qu'en fait, c'est on peut dire une course d'orientation. C'est qu'on a mis, au départ d'une plage de Tiouch, 10 balises entre Tiouch et Caporos. Sur chaque balise, elles sont numérotées de A à J et tu as un petit bout de l'énigme principale. Donc les participants sont munis d'une carte qu'on donne au dernier moment et ils doivent trouver ces 10 balises. Reformer l'énigme, la mettre dans le bon ordre et répondre à cette énigme pour avoir le maximum de points. À 9h du matin, les concurrents sont partis chacun leur tour, seul à bord ou deux par deux, direction le Capros, avec quelques étapes obligatoires comme Cargèse, petit village corse. Et déjà les premières impressions avec un pilote qui n'est pas un inconnu, Joël Bontou, ancien champion du monde de jet offshore. La caractéristique en fait de cette carte au trésor, c'est le plaisir, c'est découvrir les paysages, découvrir les criques, trouver les bouées cachées en fait. Dans des endroits magnifiques et surtout pas se presser, on a tout notre temps. La carte au trésor attire des amateurs comme des pilotes chevronnés qui naviguent à domicile. Exemple avec Jean-Pierre Simonini, lui aussi ancien vainqueur d'Oléron. Ça va ? C'est plus dur, hein. On connaît pas l'endroit.
Dans une activité souvent critiquée, pas de place au hasard. Les organisateurs corps sont tenus à mettre en avant le respect de l'environnement, de la mer et de la nature. Et puis il y a l'aspect touristique et la découverte de l'île de beauté, comme ici, cette pause déjeuner sur la plage d'Aronne, un lieu déserté par les plaisanciers à cette époque de l'année. Bref, que du bonheur. Toutes les machines qui sont engagées sont des nouvelles générations de machines, c'est du 4 temps. Hein, beaucoup de Yamaha, puisque nous on fait quand même Yamaha, donc on a privilégié cette marque-là, mais au niveau de l'environnement, elle répond à toutes les normes. Et au niveau du tracé, on a travaillé avec les affaires maritimes et le parc régional pour respecter l'environnement, les balbuzards, etc. On était en contact permanent avec eux pour justement ne poser aucun problème à la nature. Rencontre aussi avec un team 100% féminin. Ce sont les locales de l'étape. Elles profitent d'une très belle journée en mer pour redécouvrir un lieu qu'elles apprécient, la Corse. Je suis monitrice de jet. Et puis j'ai entendu parler de la course par mon père qui est passionné également de jet et donc il nous a inscrits tous les deux. Et puis j'avais besoin d'une équipière donc j'ai pris mon amie Stéphanie. Alors pour moi c'est très dur parce que physiquement je ne tiens pas trop. Mais c'est aussi dur pour la pilote parce qu'elle a la machine à tenir et moi derrière donc ça tire sur les bras. La navigation ça a été... Après, ouais, au niveau des balises, c'était un petit peu plus compliqué, quoi, parce que c'est pas toujours évident de se repérer par rapport à la carte. Mais bon, ça va, on a tout fait. Et là, on repart. On a déjà fait Caporos, tout ça. Donc nous, on rentre directement là à l'arrivée, quoi. Caporos, justement, et toutes ces criques de rêve. C'est le clou du spectacle, avec des rochers rouges, des fonds turquoises et un paysage préservé. La mer est un peu moins calme pour le plus grand bonheur des jet-skieurs. Les concurrents arrivent près des fameuses bouées, celles qu'ils doivent signer pour valider leur passage. Un exercice dans l'ensemble bien réussi par les participants de cette première carte au trésor. Juste le temps d'apprécier tout le décor. Quelques heures plus tard, retour sur la plage de Tihouch. Joël Bontou n'est pas le dernier, pas vraiment une surprise. Ouais. Avec la lettre 0, écrire un lieu. Monsieur Joël Bontou, mauvais élève, très très mauvais élève. Alors tu trouves ou quoi? On cherche. On va trouver. Bon, j'ai un peu d'expérience du jet, une dizaine d'années de compétition, et c'est la première fois que je vois une organisation aussi méticuleuse, un accueil vraiment fantastique, où dès le matin, on nous a reçus en prenant les remorques, en stockant. En fin de compte, en tant que pilote, nous on est arrivés, tout était préparé, et avec un accueil vraiment formidable. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué, l'orientation en mer, ce n'est vraiment pas leur truc. Manger où, ami? Avec tout le monde. Mais où? La plage. Ouais. À Rome.
Tu diras merci demain. Enfin, on verra si tu veux aller à Ron. Je crois qu'il faut tirer un grand coup de chapeau à Espace Jet pour cette organisation merveilleuse sur effectivement un autre concept. Pas de vitesse, mais juste du plaisir d'être sur l'eau avec une petite chasse au trésor amusante, un parcours simple, mais le but c'était vraiment d'être sur l'eau et découvrir un site merveilleux avec une organisation parfaite. Donc une belle expérience, très très belle expérience, à renouveler certainement. Ben, le principe est très 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 bien, très bien conçu. Espace Ecardi a fait un très bon boulot pour une course qui est, à gérer une course, qui n'est pas au championnat de France ou en championnat d'Europe. Franchement, je pense qu'en faisant connaître ce type de course, beaucoup de pilotes continentaux vont venir se déplacer en Corse pour faire ce genre d'étape, quoi. Sur les courses, tout le monde est un peu stressé par l'ambiance, les résultats, la participation. Alors que là, les gens ont le temps de se rencontrer, de se détendre. Les gens ont le temps de se connaître par rapport à un sport magnifique, un site remarquable. Et donc, ça crée des amitiés, de la convivialité. C'est vraiment ce qui manquait au jet. Le jet, effectivement, qui trouve dans cette carte au trésor en Corse une idée très originale. Un événement salué par les participants qui devraient revenir en 2009 pour une nouvelle aventure, peut-être sur deux journées, au lieu d'une seule.